Oui, j'ai rencontré Henri Debs en 2012 en réalisant l'album de Dali, ici même au studio Debs. Donc en fait, voilà, j'ai été sollicité pour réaliser l'album et on a travaillé ensemble pour le mixage. Donc c'est ici que j'ai rencontré Henri et qui m'a un petit peu guidé dans le mix, dans son mixage, dans sa façon de mixer en tout cas. Voilà. Rico, c'était dans les années 2000. On sortait notre première compile avec Captain Nico, ça s'appelait Kikila Records, donc la structure. Et on avait une compile qui s'appelait Killa Session, avec pas mal d'artistes de Guadeloupe et Martinique. Et on désirait distribuer notre CD ici en Guadeloupe. Et donc on a collaboré avec Rico pour la distribution. Et donc c'est de là qu'on s'est rencontrés. Et puis on a commencé à travailler ensemble, à faire des projets ensemble. Donc j'ai travaillé avec ces artistes, il a travaillé avec les nôtres. Donc voilà, c'est de là que c'est parti. Bah oui, avec Monsieur Debs, je me souviens ici quand j'ai fait mon premier mix avec lui, on va dire, avec lui et sans lui. Donc j'étais venu le matin, il était 8h, je commence à faire mon mix. Je travaille jusqu'à midi 13-14h, non-stop, sans manger, j'étais concentré au max. Et puis il vient, il descend pour vérifier un petit peu, voir comment je travaille, tout ça. Et c'est simple, il est arrivé là, il a tout balayé. Il a balayé tout mon mix, tout mon travail que j'avais commencé depuis le matin. Puis il m'a dit non, tu devrais plus faire comme ça, tu devrais plus faire comme ça. À chaque fois qu'il tournait en bon ton, j'avais mal à la tête. Mais bon, c'était aussi sa façon de faire. Et puis bah, ça m'a aidé à comprendre comment on travaillait avant, comment on travaille aujourd'hui, et puis pouvoir trouver un équilibre en tout cas pour pouvoir avancer. Pouvoir mettre des noms sur des visages sur des noms, et je pense que c'est une bonne chose. Et puis c'est bien, on va pouvoir aussi découvrir de nouveaux artistes, des anciens, donc c'est super. Je pense que c'est ce qu'il faut ici, ça manque parfois. Donc c'est bien que ce soit entrepris et j'encourage fortement, et si vous avez besoin d'aide, je suis là. Pas de soucis.